coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, on vient de rentrer, il est quelle heure? 18h. Et on est parti depuis 9h30 du matin. Donc, c'était une grosse journée. C'était super sympa. 6h30, ouais. C'était super sympa. Les enfants, ils se sont éclatés. Pour répondre un peu aux messages que je reçois, parce que je vois, mais faire une réponse publique, il y a tout le monde qui me dit, mais en gros, genre, là, qu'est-ce qu'elle fout en vacances pendant que Laurent il a l'air de galérer. Alors, sachez que je suis là en vacances avec ma petite famille, mais aussi pour promouvoir Visite Abu Dhabi, qui est une ville extraordinaire à visiter, et justement pour vous partager et vous faire kiffer. D'ailleurs, j'ai rencontré un monsieur dans l'hôtel qui vit sur Dubaï, hein, si j'ai bien compris, qui m'a dit que j'étais son guide touristique, qu'il avait l'habitude de me suivre pour pêcher les lieux. Et là, on s'est retrouvés dans le même hôtel, donc ça, c'est par hasard. Hein. Mais du coup, voilà, je travaille aujourd'hui avec Visite Abu Dhabi pour pouvoir vous promouvoir Abu Dhabi, cette ville qui est incroyable. Et du coup, Laurent devait être avec nous, mais comme vous avez pu constater, même si vous ne comprenez peut-être pas tout, mais vous comprenez un peu, il se passe quelque chose de super génial pour nous à Dubaï. Et du coup, Laurent, il a dû rester là-bas pour gérer. Donc voilà, c'est la première fois que je le laisse en plus gérer ce genre de choses. Finalement, c'est moi qui contrôle tout. Je ne suis pas sûre que tout sera comme j'aurais voulu ou comme j'aurais fait, mais je suis certaine qu'en tout cas, il fait de son mieux parce qu'il n'en peut plus, il n'est plus en 4. Mais c'est au bout du coup. Emine aussi d'ailleurs, il est au bout du groupe parce que Emine et Laurent travaillent en équipe, ils sont stressés de ouf. Ouais, ils ont peur. Ils ont peur. Mais en tout cas, non, voilà. On a encore une très très belle journée demain à vous faire visiter. Et puis ensuite, on prendra la route pour rentrer à la maison. Surtout retrouver mon bébé London qui me manque énormément. J'ai trop hâte de le voir. Et voilà. Et donc, j'espère que vous kiffez les stories, à bien enregistrer les lieux. Je rentre demain, j'aurai que vendredi pour organiser les fêtes. Et croyez-moi, les fêtes chez la Jessie, ça va être quelque chose de grandiose. J'ai hâte que vous puissiez tout découvrir. Je pense que vous allez halluciner en fait. Voilà, même moi j'ai trop hâte. Bon, nous on va se faire un petit room service.